C'est le secrétaire de la Voix d'Amérique, M. Jean-Robert Philippe, qui a salué nous. Bien entendu, nous, ici, là, dans Chicago, comme nous avons annoncé, nous avons dit que nous sommes dans Chicago. Et effectivement, nous sommes dans Chicago, côté que, et, je dis, il y a marqué Sandra Elé et la mort d'un haïtien vaillant, d'un explorateur, d'un chercheur, d'un aventurier, n'importe qui, j'ai entendu les Jean-Baptiste Pointe-du-Sable. Pour mettre le ça et c'est haïtien ça même que public là n'a parlé de et n'a parlé de et Chicago chez Chicago et municipalité de Chicago reconnaître après un pile parler qui fait mais reconnaître monsieur comme un fondateur d'Agadi et visa, comme fondateur visa. Alors c'est le premier résident, le premier étranger qui est venu là et qui est descendu. Donc là, on a regardé un fleuve là, c'est le fleuve Chicago, qui est un fleuve qui tellement sorti dans le lac Michigan. Il n'y a pas qu'une histoire pour nous raconter, nous justement passer pour nous tomber là. Donc, de ce côté là, on a regardé là, et justement ces fleuves-là, la dingue, il y a un salé, et en croisière, alors pas croisière, mais c'est un monde qui a flané. Et sous bateau mouche, quand on va faire une visite. Le statut que nous gardé là, c'est le statut exactement de Jean-Baptiste Pointe-du-Sable. C'est un statut que nous avons avec l'origine haïtienne, Leslie Bénodin, et mes théophiles CITIA, mes théophiles municipalité, et théophiles qui peuvent être honorés et héritage que Jean-Baptiste Pointe-du-Sable. Il y a un peu de discussion qui fait et maintenant ça n'a pas été là, je dis à Sébastien. Nous allons parler avec quelques membres du comité organisateur. Nous allons parler avec d'abord et plus bonheur parce que c'est une célébration qu'on fait là. Ensuite, après la célébration, il y a un discours qui semble que un bon représentant du pays d'Haïti. Et c'est le consul là, et M. Emmanuel, et bien lui-même la présent. Et bonjour. Voilà ma présentation, nous avons un pilier mouvement et Jean-Baptiste Pointe-du-Sable, pour avancer plus ici, c'est M. Pierre-Louis, c'est lui qui est président de l'association Héritage et Fondation, ou en direct. Donc, alors, mesdames, vous saluez les spectateurs de la Voix d'Amérique aujourd'hui, et dit, pour ça, je dis, nous ici là. Je salue tout le monde. Bonjour de ce que nous venons pour nous suivre. Ça l'a fait là dans Chicago. Nous avons célébré le fondateur de Ville Chicago, Jean-Baptiste Pointe-du-Sable. Next Semac. Alors, bonjour Semac qui a écouté là. Nous connaissons que nous sommes dans cette nuit. Soti et Semac. Et puis, il vient fonder Ville Chicago. Donc, chaque année, nous célébrons ça. L'an Moli, c'était l'an fin et août en 1818. Donc, chaque année, nous venons pour nous mettre en fleur. Bon statut pour nous parler avec tout le monde. On prend donc une sorte de réunion en bâtonnel que nous faisons là chaque année qui va commencer dans quelques minutes là. Donc nous remercions nous tous de ce que nous venons joindre nous là. Donc pratiquement aujourd'hui, alors qui est en célébration, qui ça nous vient dans le menu en Sénégal. Alors les spectateurs, même si nous ne sommes pas présents, mais la voix d'Amérique a peut-être ben, nous quand même, mais docteur Pierre même va pouvoir dire nous, qui ça au moins qui vient dans le menu pour aujourd'hui à nous faire tout ça. Oui, d'habitude, il y a trois parties. Dans sa affaire. La première partie, hein, c'est cérémonie, côté n'a mettre fleurs et bon statue. Donc c'est ça que nous allons faire là, nous avons dit quelques mots, nous avons expliqué tout le monde pour qui ça nous là, si il y a officiel, il y a dit deux, trois mots. Deuxième partie, hein, c'est un tour que nous baillons du sable héritage et offrir un tour, côté que nous marchons tout au long de la rivière Chicago, rivière jusqu'à lac Michigan, et côté que nous avons raconté l'histoire de Jean-Baptiste Pointe-du-Sable avec comment Chicago. Fait les du sable de Vin Boïsien, les contrats avec Indiens, les mariés avec une ladan, et c'est comme ça que Ville Chicago a commencé. Troisième partie, c'est là nous finissons faire tour en Pougnien, et nous prenons du sable Harbor, et c'est là que nous avons une membre de New York qui a pour fruit une activité culturelle. Et il y a une dame qui est en Potawatomi qui va parler, expliquer justement, parler de Kilti. Et Potawatomi et puis il y a un coquin ballon qui représente tête du sable qui a gonflé que nous avons pris la troisième partie hein.
Voilà. Donc, nous avons souhaité que l'année qui vient, nous venions à Chicago pour nous venir assister à la cérémonie. En pile, en pile, oui. En pile, oui. Merci en pile, Dr. Pierre-Louis, pour si on s'en passe avec les spectateurs de la Voix d'Amérique. Il y a monté la Koumia là, pour brancher sur nous, pour qu'on s'en passe. Donc, justement, la Voix d'Amérique sous place et n'a pas été barré, justement, pour nous faire connaître exactement ce qui est là. À bientôt. Merci en pile. Et qui est une situation est, donc nous exactement pour ça, mais ce n'est pas seulement Dr. Pierre Dunant qui l'a. Il y a tout l'autre membre, alors son sorte de. Est-ce que c'est une sorte de coalition et Paul. Est-ce que c'est une sorte de une coalition qui fait et qui vous mettez mouvement ça sous pied. Jean que ça nous je dis à. C'est pas comme ça va arrêter comment c'est pas commencé on a l'autre effort pour que tu aies des chercheurs et alors haïtiens beaucoup fort eux-mêmes qui basé sur ces deux recherches qui étaient faites exactement pour te parler un petit peu et pour te parler un petit peu de Jean-Baptiste de ça. Donc non, justement Paul et présenter tout par le respect de la Voix d'Amérique parce que nous c'est pas seulement ça aujourd'hui c'est combat qui commence aujourd'hui pour un gros effort que le pays. Et c'est plusieurs chercheurs haïtiens beaucoup plus forts qui ont même participé. Alors dis-nous, qui est-ce que tu as commencé? Oui, après, c'est Nicolas Paul. Nous sommes membres de SAB Association. Et puis, il y a un événement que nous faisons chaque année. Ça, c'est pour nous honorer en la mort de Tissab, le fondateur de Chicago, qui est un haïtien qui sont simple. Donc, un deuxième événement nous fait chaque année aussi, son gala. Qui pour aider nous, Race Cup pour l'organisation pour tout ça. Le deuxième événement, c'est en mars. Votre participation, ça, c'est pas spécial parce que c'est M. Mouri le 29 août. Nous avons toujours célébré le round de troisième, quatrième semaine de mois d'août. Voilà. Alors, nous demandons à Tadea, qui a commencé? Qui a l'idée de venir chercher qu'on est? Et du sable, qui j'en ça vient tomber dans la tête, nous, vient tomber sur nous, et puis vous venez intéresser à ça. Oui, en principe, Dr. Pierre-Louis, qui est fondateur d'IHE, c'est monsieur pendant le lycée qui a transféré de profession médicale, et puis il a commencé à entendre parler du sable, et puis il a formé un groupe de médecins haïtiens ici à Chicago il y a 25 ans de cela. Pour nous faire un bien crédit pour tout le temps ça depuis qu'il y a une organisation. Moi-même, l'organisation, il y a près de 7 ans de ça. Docteur Pierre-Louis, c'est un fondateur qui tendait parler de tout ça. Et puis, j'ai commencé à faire recherche avec deux, trois autres médecins qui étaient ici pour Chicago. Et puis, qui mettait le soupir. Et puis, il y a un petit gros projet que rien, c'est pour nous. Deuxièmement, nous avons un projet pour nous bâtir un port que nous avons travaillé depuis plus de 20 ans aussi pour nous honorer Jean-Baptiste Pondissab. Parce que comme premier habitant, premier businessman, premier monde qui bâtit un cas ici dans Chicago, si vous regardez derrière nous là, exactement côté à Boston là, et là derrière nous, c'est là que j'ai établi. Comme ça, c'est un homme qui est très bien éduqué, il crée tout business de fleurs, il commence depuis lors. Parce que c'est ça que nous l'avons honoré la mort de Jean-Baptiste Pondissab. Alors d'abord, est-ce que Ville Chicago, c'en est des municipalités, il y a des difficultés pour nous répondre, que tu es d'accord avec des matchs que nous avons fait? En principe, depuis qu'on va gagner politique là-dedans, il est toujours. Pas facile, oui. Nous avons toujours gagné des lacunes, nous avons toujours gagné des gens qui ne pas vraiment reconnaître ça, monsieur, des faits, bien que tout va être documenté you know, dans l'histoire, qu'on a joué dans tout archive. Nous avons conscient de temps pour accepter que le fondateur Villa, c'est un haïtien qui est mort. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Il y a une discussion, même sous. Est-ce que c'est monsieur ou c'était l'autre? Oui. Est-ce que de Canadien oui. Ça? En principe, monsieur, c'est le premier monde qui bâtit. Donc,
bon, à l'époque, j'ai entendu des rumeurs que c'est Kenzie. Kenzie, c'est un Canadien qui était vivre, qui a fait business à monsieur dans le business, qui a pris un feu. Et puis que monsieur l'a fini, ce qui déposait l'Ivan, car il y a Kenzie. Et puis là, on a des rumeurs. Ça change pour nous, tout pas documenté. Il a même dit que le transféré à monsieur à Kenzie. Comme vous avez toujours dit, bon, c'est 15 premiers habitants, premier serveur, premier européen, qui n'était pas vrai, parce que Jean-Baptiste, c'est le premier habitant qui construit un caille dans le droit de nous là, comme nous sommes appelés, donc, qui a évidence, parce que c'était un deal à l'époque. Chicago, pas de même, il y a un côté qui était record, qui était formalisé cette transaction. À la tour que j'ai fait, juste Michigan. Et tout document, ça a été. So, c'est l'histoire, et puis c'est la vérité. Et je vous dis, on a marqué, monsieur, on a dit que j'avais sur une chatte en 1745, et il mourut en 1818. Donc, pratiquement, je suis entré ici dans l'année 1775. Voilà. Là, monsieur, il avait été. Voilà. Mais oui. Nous pas venus en recherche au petit. Qui est-ce que vous avez monsieur, qui était à Haïti? Nous pas venus en recherche pour jusqu'à présent. Oui, mais en principe, les gens de vu que l'histoire l'a dit, M. Pat vraiment remet Haïti parce que Haïti était dominé avec le français. Que M. a décidé de prendre bateau parce que papa qui est en français. Papa était éduqué, M. comment vous naviguez bateau, tout le monde à l'époque. Monsieur prend, you know. Décision pour quitter Haïti. Premier côté, monsieur, c'est Louisiana. Comme on a dit, l'histoire a dit que le monsieur Rivière Louisiana, à l'époque, monsieur, la domination française a été assez élevée. Habillé, monsieur, c'était pour un noir qui est libre. Parce que monsieur était moitié français, moitié soit solide et libre. Le monsieur Rivière Louisiana, qu'il parle vraiment, vraiment, et puis ouais, il ça qui est arrivé, ça arrivé sorti juste à M. Sécu qui ont des choses. M. quitte Louisiana et puis M. vivait dans le coin ça là que avantage que c'est le côté idéal. Idéal parce que nous rivière rencontré avec le lac là, ça veut dire que le monde doit sortir jusqu'à Canada, tout le monde côté, faire rencontre, il doit sortir juste à Sécu, maintenant il doit sortir qui était. You know, objectif, monsieur. Voilà. Merci un peu, nous avons nous tourner. Merci un peu, Paul, pour tirer ensemble ça que Baptiste, pour cette année-là. D'ailleurs, content. Il a préagi là. Il a me posé des questions, il a demandé nous. Et ville ça, c'est la troisième ville. Et alors, je ne sais pas, non, le samedi, c'est la troisième ville après New York et Los Angeles. Qui ville était? Eh bien, grand pile, c'est sur la qui bien éduqué, qui te connaît que ville ça, il est Chicago. Voilà. Oui, merci un peu, Paul, pour renseignement ça. Et oui. Nous, là, nous sommes place et nous avons justement pour débattre. Et ça a passé justement dans tout le mouvement, l'activité qu'a fait aujourd'hui, pour marquer justement. Et ça, là, il est la mort. Et la mort, il va dire que ça, certainement. Les choses avaient été faites, c'est en 29 août 1895. Par, donc, c'est. Alors. 1818. Donc, je célébrer le jeudi pour te marquer. Et c'est chaque année qu'il y a un effort qui a fait. Et nous avons toute une fondation et une association héritée du point du sable là. Et bien, il y a même d'autres démarches à faire pour que vous soyez. Au moins, il y a un jeune nous bas. Je veux d'abord que si tu es d'accord pour mettre plus ça dans nos lignes. Ensuite, il y a l'autre côté qui est et Abort Drive, et bien, il a changé notre connaissance du SAP Drive. Donc, c'est une série de réalisations qu'a fait, pas à pas, doucement, mais il y a l'autre encore qu'a fait, qu'on a besoin de faire, il y a travaillé qu'on a pu faire ça, une sorte de parc, ou parc exactement sous rivière, ça, on a regardé derrière nous, là, c'est rivière Chicago. Et bien, il y a Chicago, ça, il est sorti depuis dans le Mississippi, dans l'État Mississippi, et bien, il passe tout côté pour passer, et il vient dormir. Non, lac Michigan. Donc ça veut dire que nous allons comprendre nous-mêmes qui avons fait la navigation, qui j'envoie à la télé, et justement, comme Paul se dit nous, ils disent que le monsieur de quitter Haïti, des raisons bien spécifiques, il n'était certainement pas d'accord avec l'occupation française dans l'époque-là. Et monsieur, premier côté, monsieur était descendu, c'était en Italie, mais là, il est là toujours.
dit que les Français étaient là tout. Donc, monsieur qui n'est pas d'accord, monsieur continue à faire voyage. Et c'est là, monsieur, il est ici, là, exactement, monsieur, qui est du côté idéal, là, pour le territoire. Et bien, c'est comme ça que monsieur ouvert. Alors, on a tout, monsieur, c'est un aventurier, c'est un commerçant, c'est un explorateur. Il parle tout le monde qui vient. Et, mais depuis longtemps, il y a un combat qui a fait exactement, lutte qui a fait pour te reconnaître, monsieur, comme vrai fondateur. Mais, et puis, c'est pas pour fait pour nous à faire fédéral, à faire national, pour les Américains, quelque soit à côté de l'habitude, quelque soit à côté de l'État américain, pour connaître tout. Pour connaître que ville chère, ça y est, les Chicago, c'est pas. Et les Canadiens qui étaient Bali, mais c'était exactement, et Jean-Baptiste Moussa qui lui-même, t'es contre travail avec Canadiens, puis il était venu la propriété qu'il était possédé et il était compris que c'est M. qui était premier, c'est le premier syndicat du colon, donc le premier monde qui était venu, le premier étranger qui était venu. Mais l'histoire a apporté que c'est Jean-Baptiste Moussa qui était premier résident, qui était arrivé là, et là, lui est là, c'était la joie, l'accomplissement, mon certainement pas de moi, étranger qui venait alors, on a parlé. Et indien qui habitait là, mais il n'y a pas de gens étrangers qui étaient comme ça, mais c'est une célébration des frères qui accueillent. Et monsieur était senti que ça, il était effectivement là, et voilà. Donc c'est ça, on a regardé aujourd'hui à là, c'est la nuit aujourd'hui, on a participé à là, on a regardé là, on a combattu là, ce côté, alors grand pile d'activités touristiques dans ce moment-là, responsables exploités les rivières là, ou les fleuves là, ils exploitaient les. Bon, il y a des gens qui font tout, ceux qui sont à l'autre côté, etc. pour aller là. Voilà, et je pense que tu parles ça nous fait là, c'est très bon. Et nous bien contents que nous l'avons, nous bien contents que vous accompagnez nous, comme tu fais toujours, et bien voilà. Et moi, c'est Jean-Baptiste Philippe qui a salué nous, exactement. Pour ça, quand je me fais là, il y a exactement pour Jean-Baptiste Point du Sac. Donc, nous comprenons, il y a un petit changement à faire dans le feedback que. Le jour n'a tant pas avancé, puis devant tant n'a pas avancé, c'est tant que les autorités municipales et de l'air plus à reconnaître. Et Jean-Baptiste ça pour ça que les militaires, pour ça le représenter pour ville et Chicago. Moi, sur place, nous bien content que nous là. Et l'année dernière, c'était Valérie qui était là. L'année avant, c'est moi qui étais là. Et peut-être l'année prochaine, c'est pas moi qui n'a pas encore là. Mais nous, là, on a fait ensemble. Voilà, salutations à tout le monde. Bonne journée, bon week-end, jeudi à ce samedi, rappelons, soit conduit, pas consommer d'alcool, et si vous consommez d'alcool, vous ne pas conduire machine, et non plus que vous pas capable de citer dans une voiture à un monde qui saute consommer d'alcool. Donc, il y a un petit peu de monde qui parle là, et monsieur, ça n'a pas gardé ce côté de là, bon, si nous avons fait nous même, monsieur, nous tiens, puis bien, monsieur, c'est l'Iga, alors, c'est un, monsieur, habitué pour des contributions. Dans la célébration en tout, donc nous avons de musique natif, natal, indien, et nous avons souffert fit la même chose, monsieur. Donc c'est ça, et puis bon, bah, nous avons une idée de monde qui commence à se réunir là pour toute activité. Yo. Donc là, nous avons une idée au moins de monde qui est là, même qui est venu, c'est des habitués, de ces monde qui dans le monde, et que certains gens qui ont fait la série, il y a plein de. Là, sous-titrage Société Radio-Canada.
tellement de activités, les gens qui veulent passer, les gens qui viennent. Et là, comme c'était là, nous venons pour participer. Non, ça, on les croisait. Mais bon. Donc ça, c'est une intersection liée là. Et alors qu'il y a un gros magasin entre les Américains, c'est Apple qui est ce côté-là, et lié exactement dans le côté que je ne sais pas si ça a été construit, premier carré, dans ce côté exactement dans l'emplacement ça. C'est ça que nous jeunes cours dans la recherche que nous faisons. Et nous avons rencontré tout avec M. Jean-Baptiste qui a parlé de nous. Hier, nous avons regardé un pavillon. Alors, en droit, le pavillon a été créé en 1993. L'exposition internationale s'est faite. Et bien, le gouvernement haïtien, à l'époque-là, et bien, il a été désigné. Et d'ailleurs, Haïti, c'est le noir, c'est un pays noir qui était présent dans le pavillon. Ça, qui était présent. Et bien, il était venu et il était venu participer dans la danse. Et participation ça a été seulement, il était surtout gagné là donc comme représentant d'Haïti, moi qui est représentant d'Haïti, c'est pas un haïtien, c'est un consul américain qui était en Haïti et qui était en relation avec le gouvernement à l'époque là. Et bien c'est Frédéric Douglas, qui était ambassadeur des consuls et États-Unis à l'époque là, on a parlé de Frédéric Douglas, qui même tout, c'est un descendant d'esclaves et qui même des esclaves, mais qui était tout sacrifié. Et qui fait tout à défendre et Israël. Alors, il y a un discours que j'ai prononcé dans l'époque là, il était rappelé, nous qui étions dans l'assistance, et liberté, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Alors, on fait partie d'un discours. Liberté, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous ne pouvons pas t'appuyer si Haïti n'a pas fait effort pour les faire pour les sortir dans l'esclavage. J'explique bien pour faire ça. Félix Douglas, c'est exactement. C'est un orateur, c'est un conférencier. Et lui-même, il était représenté à Haïti. Et il s'était fait des démarches pour Haïti, présenté. Pour ça, Haïti était lié dans l'époque-là. Mais il était toujours souple que Haïti soit lié. Et il était malgré tout ça. Depuis l'Haïti qui est indépendant, c'est pour ça que Haïti. Il était dans la position que dans l'époque-là. Donc imaginez aussi, monsieur, le levé jeudi à la palais, la regarde Haïti encore. Parce que le discours là est différent de ce qui a été prononcé dans l'exposition universelle de Chicago. Eh bien, nous saluons nous tous. Nous disons nous passer une très bonne journée en compagnie de la Bonne Amérique. Continuez à visiter et plateforme Mouyo pour donner des nouvelles. Nous avons une interview d'ailleurs que nous faisons avec Dr. Pierre, qui est membre fondateur de la Fondation et Association et Foundation qui est Point du Sable. Mais monsieur, il y a près de 25 ans que monsieur était ici, en dossier, son dossier, monsieur était ici, et son dossier que monsieur a fait déjà. Bon après-midi tout le monde, on retourne encore, puis tard encore, on n'a pas encore. Bye bye.